Bon, les gars, je vais faire une lecture rapide. Les missionnaires font anciens. C'est bon? Tu continues? En 1907, au Gabon, nous sommes en Afrique centrale. On le surnommait déjà un des apôtres les plus zélés du peuple Ayon, c'est-à-dire des fans ou des Mpouins, qui a su, avant de mourir, conquérir les cœurs de ses populations à vivre la christianité. Voilà. Qui était ce missionnaire? Né vers 1866 au village Zouamoyon, situé entre le Haut-Okano et le Haut-Ogoué. Actuellement, on parle du Haut-Lintem et le Moyen-Ogoué. Et Sabedzem de père et Essimven de mère. Il s'appelle Ebenavo, polygame et père de plusieurs enfants. Quelle était sa profession? Il était physiologue, grand prêtre traditionnel, Ngos Molan, grand chasseur, diseur vêtu, homme d'affaires, respecté, craint par sa droiture, intrépide à toute épreuve. Le vivant n'avait pas de secret pour lui. Il faisait bon vivre à Zouamoyon en ce temps, car la Mahat était au centre des décisions chez les fans anciens. Et bien, la Mahat, la droiture, la justice. Ebenavo connaissait bien des secrets que bien d'autres ignoraient. Quelle est sa rencontre avec les missionnaires? D'accord? En 1901, dans sa mission d'affaires et de visite à ses oncles maternels, Ebena arrive à Ndjolé. Pendant qu'il disait l'umbek, il perçut deux blancs missionnaires de Talakunga, annexe de Ndjolé, descendant du bateau à vapeur qui fait le service entre le Cap Lopez et Ndjolé sur le Goué. En colon, les deux blancs le menacent, tirant tour à tour sa longue barbe et le fut blessé à la cuisse. En 1904, toujours en affaire, Ebenavo fit un voyage à Akinlam, chez le clan Angwanamben. Il va assister au culte présidé par le catéchiste Adzo. Il aimait, Adzo veut dire la parole, dont le catéchiste s'appelait la parole. Parce que les gens aimaient écouter sa parole, donc on lui a surnommé Adzo, c'est-à-dire la parole, l'évangile, la bonne lumière. En 1904, toujours en affaire, Ebenavo fit un voyage à Kinlam, chez le clan Angwanamben. Il va assister au culte présidé par le catéchiste Adzo. Il aimait bien assister au culte de ses frères convertis au christianisme, car le respect de la foi de tout un chacun est d'une importance capitale. Quelle est sa conversion et comment cela s'est passé? Après avoir entendu plusieurs fois Adzo la parole, il décida enfin de le questionner. Il dit, « Dis-moi, Adzo, cette parole de Dieu que tu enseignes, est-elle bien vraie? Est-ce que c'est sérieux? » Le dialogue entre les deux se poursuivit jusqu'au matin. Hein? Et Bena avait donc le choix, soit continuer à célébrer le culte des ancêtres avec des conséquences inouïes des colons, voir son village se vider de ses braves intelligences, assister à la mort de son peuple, soit se convertir pour l'amour de Dieu de ses ancêtres enseignés de manière voilée dans le christianisme. Il comprit que le sacrifice de soi est la condition de la vertu, c'est Aristote. Et quoi de plus inhumain qu'un sacrifice humain? Il se décide alors et se convertit pour la gloire du peuple Ayon. En 1905, au matin chez Angwanamben, il déclara, « C'est bien, j'ai compris, il faut maintenant que tu me conduises auprès des Blancs, car moi aussi, je veux prendre le travail de Dieu. » La même année, il fut admis catéchumène le 28 février 1905. Apôtre Ebenavo, quand est-ce qu'il devient apôtre et comment il a évangélisé, sont les questions qu'on va aborder.
Après 1905, nous rentrons en 1907. Il fut baptisé le 15 septembre 1907 par Monseigneur Herman. Herman qui était représentant de la cathédrale à cette époque de Talakunga. C'est avec courage qu'il se mit à faire tous les jours le culte chrétien du matin et du soir, enseignant ce qu'il savait, chantant, priant avec ardeur. Les gens de son village s'étonnaient. On pouvait les entendre. Qu'est-ce que cette parole apporte, Ebena? Qu'est-ce que cette parole apporte, Ebena? Jean du village questionne. Il répondit, oui, c'est vrai. Je rapporte une parole qui est une bonne pour moi, mais qui l'est aussi pour chacun de nous. Quiconque pour la survie de notre peuple dans le nouveau monde. Depuis lors, les maris pouvaient laisser leurs femmes les dimanches écouter l'apôtre. Évangéliste d'Ebena. Évangile d'Ebena. Évangile. C'est-à-dire la parole que Ebena maintenant va commencer à dire. Vraiment la parole, l'évangile c'est la parole. La parole que Benavo va commencer à dire à son peuple. En 1908, on était en 1907. En 1908, bien qu'ayant été enseigné par les missionnaires blancs et noirs pour propager l'occidentalisation de l'évangile, Ebena crée un nouveau village et milite pour l'inculturation. Cette manière de répondre au message évangélique à travers sa culture. Il dit, non, mon missionnaire, je ne crois pas que Dieu m'a appelé à cela. Mon livre est dans mon cœur. Ah, il va passer des moments difficiles de sa vie, des décès, femmes et enfants. Malgré tout, il est resté debout. Le nouveau village de Bénin. Tu vois. Après Zouamoyon, il va quitter à nouveau Tan, son village, et s'installa dans un nouvel emplacement choisi par lui-même et très éloigné de l'ancien village Tan. L'idée était de créer un village lumineux, chrétien et moderne. En 1909, l'évangéliste va réaliser son rêve selon la volonté de Dieu et créer Ntanengi. Ntanengi, qui veut dire trésor de la vie, situé près d'un ruisseau important, riche en poissons et traversé par un pont. Là, il va former de nouveaux missionnaires francs qui, par la suite, vont intégrer des congrégations, des missions et apporteront l'évangile dans le nord du Gabon. Le cas de Zamoyo, un Essabkan, le premier évangéliste catholique de Bitam. Nous sommes au village Mossan entre 1918 et 1945, et sera suivi plus tard par François Xavier Ndondutum, 1906-1989, qui est le premier évêque du Gabon. C'est là. La mort de Bénin arrive. En 1909, très fatigué et âgé, il revint encore à Toulakunga, à la fête de Noël. Amaigri, son visage exprimait toujours la paix, la confiance, la joie du devoir accompli. Il va laisser, après la mort de l'aîné, deux filles, Mbafen, ça veut dire bonne nouvelle, et Eveven, ça veut dire cadeau. Il a fait de sa maison la maison de Dieu, car il y tenait plus que sa demeure. Le 15 février 1911, dans la matinée, il a chanté deux ou trois cantiques. On pouvait entendre « J'ai un bon père qui m'attend aux cieux ». Nous sommes le 15 février 1911, ça veut dire un mois avant son décès. En avril 1911, Ebenavo décède et est rappelé à œuvrer auprès de ses ancêtres à qui il doit faire le bilan pour entrer dans la maison de Tarzan Dieu. Il mourut en héros pour bien des années encore. Le concours de cet homme, si supérieur à tous les autres, laissa à Ntanengi un adage qui dit « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Parler de Dieu n'est pas parler de l'homme. Chaque peuple doit
dans la mesure de ses possibilités, exprimer sa réponse à l'évangile du Christ, car elle est lumière du monde. Ebenavo. Cher Ebenavo, on pouvait entendre Samuel Gallet. Samuel Gallet, vous connaissez Samuel Gallet, c'est lui qui a écrit le premier dictionnaire. On pouvait entendre Samuel Gallet crier après avoir entendu le décès d'Ebenavo. On pouvait l'entendre crier, cher Ebenavo, comme tu nous dépasses, tu vois, non, déclara Samuel Gallet, qui vint s'installer au pays d'Ebenavo après sa mort, sans doute, pour y fonder la station d'avant-garde, depuis si longtemps désirée par tous les missionnaires de l'Ogoué. Pour ne pas conclure, pour une nouvelle évangélisation, comment pourrions-nous mieux terminer le travail accompli par l'œuvre du haut fleuve fondée par Ebenavo, seul, simple catéchumène, au début, loin de tout catéchiste et de tout missionnaire, sans intégrer l'inculturation. Les pères fondateurs de Sikoletan, ayant constaté les limites pédagogiques de la première évangélisation, l'absence des valeurs scientifico-culturelles des peuples du Gabon, sont convaincus que l'inculturation est la seule voie pour une évangélisation en profondeur et pour un approfondissement de la foi catholique au Gabon. Référence Samuel Gallet, Ebenavo, l'apôtre Pawin, 1941. Simon-Pierre Ezekiel Mbandon, rite initiatique gabonais à la rencontre de l'Évangile. Noël Nguangema, le débat sur l'inculturation et sur la nouvelle évangélisation du Gabon. 20 ans après, préface, Dr Maka, Les Impliqués, Paris, 2020. C'est tout. Vendredi lecture d'aujourd'hui, c'est fini. Nous sommes le 15 avril 2022.